Wasini, c'est un morceau de corail tombé dans l'océan, à la frontière maritime du Kenya et de la Tanzanie. Par-dessus, un village de pêcheurs. Pas de port à Wasini, pas de route, ni voiture, ni même une seule bicyclette. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas beaucoup d'hommes non plus. Ceux qui restent pêchent un peu ou promènent le touriste autour de l'île quand il y en a. Beaucoup sont en ville, loin, partis pour la semaine, pour le mois. Alors que reste-t-il à Wasini? Des femmes et un trésor. Leur trésor? Le jardin de corail. Plonger un massif de corail dans une mer bien chaude, laisser gonfler quelques milliers d'années, abaisser le niveau des océans, faites-le polir et raboter par le va-et-vient des marées encore quelques milliers d'années, tapissez le fond d'algues vertes et voilà, c'est servi. Un paysage unique de coraux pétrifiés dans un jardin entouré de mangroves. Ce qui nous a poussé à faire ce projet autour du jardin de corail, c'est que l'on avait remarqué que les touristes qui passaient étaient fascinés par ces rochers en forme d'animaux. Alors on a commencé par surveiller ces coraux afin qu'ils ne soient plus détruits ou abîmés. Un trésor, ça se pille. C'est fait pour. Longtemps, les gens de Wasini se sont servis du corail comme pierre à bâtir, de la mangrove comme bois de chauffe ou de construction. Le jardin a bien failli disparaître. Alors, les fondatrices du groupe, on s'est dit, il y a des touristes qui viennent, qui visitent le jardin et repartent. Et nous, on reste là, avec nos soucis à ne pas pouvoir envoyer nos enfants à l'école, ni même à joindre les deux bouts. Pourquoi ne pas s'en occuper? Alors, on a remis en état le lieu, on a nettoyé les coraux du matin au soir. Un jardin de corail, c'est déjà pas mal pour un touriste. Mais quand en plus, une semaine par mois, la mer surgit des mangroves, rampe et inonde le jardin, que les grandes marées engloutissent les coraux, alors là, Wasini, c'est Versailles. Si bien qu'un jour, pour mieux faire profiter les touristes de leur jardin extraordinaire, les femmes de Wasini ont eu une idée. Construire un ponton. Un ponton pour marcher sur l'eau, entre ces cailloux aux formes étranges. Un ponton pour se promener, sans se perdre, dans la mangrove qui l'entoure. Ponton payant, 100 shillings la visite, 1 euro. Avec 100 visiteurs, on aurait vite rempli les caisses du village pour un mois. Tu vois comme ici, c'est dangereux. Cette planche-là, elle est pourrie. Elle a besoin d'être réparée. Il n'y a rien à sauver. Et regarde celle-ci. Oh là là, et celle-ci aussi, il faut tout refaire. Radija et Beauté, c'est son vrai nom, qui sont un peu chefs, sont toujours envoyés en éclaireuse quand il y a un pépin. Or, depuis quelque temps, le ponton, leur ponton, va mal. Pour dire la vérité, c'est très dangereux de laisser le ponton dans cet état. Si on l'ouvre aux touristes, ceux qui ne marchent pas bien, on est sûr de les voir se casser la figure. L'autre jour, des visiteurs n'ont même pas pu se promener. L'eau passait par-dessus le ponton. Il faut absolument le renflouer par endroits. Donc il faut qu'on s'active. C'est juste que notre situation financière n'est pas bonne en ce moment. Mais en comptant sur la prochaine saison, Inch'Allah, on y arrivera. Faut dire qu'elles ont vu grand, les femmes de Wasini. Très, très grand. Elles se voyaient déjà en haut de l'affiche du bureau du tourisme du Kenya,
venez voir le plus grand ponton d'Afrique de l'Est. Ils sont venus, les touristes, au début, 50 par jour, payant leurs 100 shillings. Mais les émeutes de 2007 au Kenya les ont fait fuir. Tout cela laisse aujourd'hui aux entrepreneuses de Wassini le plus grand ponton de toute l'Afrique de l'Est à entretenir. À chaque fois qu'un problème se pose au groupe des femmes de Wassini, paf, c'est la séance plénière. Où ça ? Sur le ponton, évidemment. L'argent que nous rapporte ce projet, on le partage en fin d'année. Une part pour les bourses scolaires, on paie la moitié des frais pour chaque enfant. Une part pour compléter le salaire des enseignants chaque mois. Et on aide aussi l'école religieuse, on donne pour les fêtes du village. Quand il y a un problème, les gens viennent nous voir et si on peut, nous les aidons. Quelques heures plus tard, John le charpentier est convoqué sur le ponton. Beauté et Radisha s'improvisent maître d'ouvrage et chef de chantier. Non, c'est juste la question de se mettre d'accord. Une fois d'accord sur le prix, je sais ce que je dois faire. Il n'y a pas de souci, je creuse des trous pour les pieux, du ciment et hop. Aujourd'hui, c'est ça le boulot, c'est pas la question. Pas besoin de parler Swahili pour comprendre ce que se disent Radija la cliente et John le charpentier. Ton devis est trop cher, mais ma pauvre dame, ça prend du temps un chantier comme ça, il y a peut-être moyen de faire plus simple, etc. Bref, Radija la cliente veut que ça commence tout de suite. Et John le charpentier manque de bras. Alors, on s'arrange. Toutes les femmes du groupe de Wassini mènent une double vie. Activiste le jour, simple ilienne le soir. Comme Radija, leur présidente élue pour 2 ans, un mari parti plusieurs mois sur le continent, 2 enfants élevés. Sur l'île avant, on ne se souciait pas les uns des autres. On vivait côte à côte. Et c'est vrai que depuis cette histoire de ponton, on s'entraide, tous. Avant, les gens ne sortaient pas de chez eux. Maintenant, on se rend visite. On se retrouve et on sort de notre île, même parfois. Quand on fait partie du groupe des femmes de Wassini, il faut savoir mouiller son sari. Exemple, la mangrove. Elle ne pousse pas toute seule. Enfin, si. Mais mieux encore si on plante les gousses bien droites, dans la vase et à la main. Alors, une fois par quinzaine, c'est corvée de gousses. N'allez pas croire pour autant qu'au village, sans prétention, les femmes aient bonne réputation. Prenez Tashi, par exemple. C'est l'un des rares pêcheurs à pied de Wassini encore autorisé à travailler dans la mangrove. Oui, car les femmes limitent la prédation sur cette zone fragile, en bordure du ponton. Pêcheur exclusif presque, Tashi. Son succulent crabe des mangroves, il en nourrit ses 10 enfants. Et, dès que le touriste se pointe, le vend bien 4 euros le kilo. Je serais très mal si les mangroves n'existaient plus. J'aurais plus qu'à quitter l'île pour gagner ma vie de pêcheur ou changer de métier. Mais ingratitude de pêcheur, dès qu'il s'agit du ponton des femmes.
Ce projet, c'est l'affaire des femmes. Et elles se battent bien pour ça. C'est vrai, mais ce qui me chagrine chez ces femmes, c'est qu'elles devraient quand même trouver des hommes. Deux ou trois, pour les guider. Car toutes seules, elles n'y arriveront pas. Regardez l'état du ponton, c'est pas entretenu, c'est mal géré. Les femmes, ça ne s'est pas géré. Après le ragot des mangroves, c'est John le charpentier qui nous joue le ponton des soupirs. Le problème, c'est qu'elles manquent d'ouverture d'esprit. Parce que leur projet, bon, d'accord, ça peut aider les enfants du village, mais ça doit être solide financièrement. Je crois qu'elles auraient besoin d'un bon coach qui comprenne l'essence de cette affaire. Il faudrait qu'elles mettent leur mari dans le coup. Ils pourraient, je ne sais pas, faire du business, vendre des trucs traditionnels sur le ponton. Non, il y a plein de choses à faire. Les femmes de Wassigny ne sont pas dupes de ce qui se raconte dans leur dos au village. Ah, leur ponton qui prend l'eau, leur trottoir à rien ni personne. Alors le groupe des femmes a trouvé un moyen simple de lutter contre la désinformation masculine, la propagande. C'est Aïcha, institutrice infiltrée et membre du groupe des femmes, qui s'y emploie. Au programme de son cours de sciences naturelles, tient, comme par hasard, la mangrove. Aujourd'hui, nous allons parler des mangroves. Vous savez ce que c'est ? Si vous avez des questions, vous demandez. À quoi ça sert, les mangroves ? C'est utile à quoi, d'abord ? À empêcher l'érosion du sol, et puis ça fournit un abri, et de quoi se nourrir à des tas de petits poissons. Là-bas, dans nos mangroves, il y a aussi des crabes, des crevettes. Vous savez ça au moins ? On ne badine pas avec Aïcha. Et quand vient la fin du cours, jusqu'à l'heure de la récré, on répète le chant des partisans de la mangrove. Tout le monde connaît les planches de Deauville, la promenade des Anglais, le Grand Bé à Saint-Malo, les remparts du Mont-Saint-Michel. Banalité maritime. Non. Changez, essayez donc un jour le grand ponton du jardin de corail des femmes de Wassigny. 1 euro. Elles n'attendent que cela.